La parole de Dieu sera lue dans le livre du prophète Isaïe. The word of God will be read in the book of prophet Isaiah. Le premier passage, the first passage, se trouve au chapitre 8, verset 23. Is to be found in chapter 8, verse 23. Dans certaines versions, in some versions, cela correspond au chapitre 9, verset 1. It corresponds to chapter 9, verse 1. Commençons par le chapitre 8, verset 23. Let us start by chapter 8, verse 23. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Isaiah chapter 9, reading verse 1. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the nations, by the way of the sea, beyond the Jordan. Amen. Ce passage, this passage, annonce le temps de Jésus. Announces the time of Jesus. Jésus n'était pas encore venu dans ce monde. Jesus had not come into this world. Et le Saint-Esprit prophétisait déjà le bonheur qu'il devait apporter sur la terre. And the Holy Spirit was already prophesying the happiness that he would bring on earth. L'Éternel déclare, the Lord declares, que les ténèbres ne vont pas durer pour toujours sur la terre. That darkness will not last forever on earth. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait déjà arrêté un plan de salut. Because he has already made a plan of salvation. Il avait déjà arrêté un plan de salut. He has already made a plan of salvation. Il avait déjà ordonné son exécution. He had already ordained the execution of that plan. Disons maintenant le chapitre 9, verset 1 à 6. Let us now read in chapter 9, verse 1 to 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Isaiah chapter 9, from verses 2 to verse 7. The people walking in darkness have seen a great light.
On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nations and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of the Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdened them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressors, every warrior's boot used in battle, and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fueled for the fire. For to us, a child is born. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Almighty will accomplish this. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Le deuxième passage que nous venons de lire, the second excerpt that we have just read, explique le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Reveals the plan of God to save mankind. Donc nous allons relier les deux passages. So we are going to link the two passages. Reprenons donc le chapitre 8, verset 23. Let us go back to chapter 8, verse 23. Disons-le ensemble. Let us read it together. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. But darkness will not always reign. Sur la terre. Sur la terre. On earth. Où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Where Dieu sait. God knows. Que les gens ont des problèmes. That people have troubles. Dieu avait dit à l'homme, God told man, ne mange pas du fruit de cet arbre. Do not eat of the fruit of this tree. Si tu manges, if you eat of it, tu vas mourir. You will surely die. L'homme, man, a écouté le diable. Listen to the devil. Le diable est venu avec ruse. The devil came with cunning. Il a dit à l'homme, and told man, mange, eat. Tu ne vas pas mourir. You will not die. Dieu même sait que si vous mangez, vous serez des dieux. God himself knows that if you eat of it, you'll become gods. Et l'homme a mangé le fruit. And man ate the fruit. On ne peut pas étudier ça aujourd'hui ici. We cannot study this here today. Mais depuis ce jour-là, but from that day on, la mort est entrée dans le monde. Death entered the world. La Bible dit, the Bible says, l'homme a eu peur. Man was afraid. D'abord, il s'est retrouvé, il s'est découvert nu. First of all, he found himself naked. Et puis, il a eu peur. And he was afraid. Et puis, il s'est caché. And he hid himself. Dieu n'avait même pas encore parlé. God had not spoken yet. L'homme avait déjà des problèmes. Man already had troubles. Il se découvre nu. He found himself naked. Il a peur. And he was scared. Il fuit. He flees. Il se cache. And hides himself. C'est le début de ses problèmes. This is the beginning of his troubles. La suite sera la mort, les maladies, les angoisses, les traumatismes. And the result of this will be death, anguish and traumatism. Et l'homme souffre. L'homme souffre. And man suffers. No, man suffers. La sorcellerie. Witchcraft. Ceux qui pratiquent même souffrent. Those who practice it suffer. Ceux contre qui on pratique souffrent. Those against whom witchcraft is practiced suffer. Les ténèbres règnent sur la terre. And darkness reign on earth. La terre est déjà remplie d'obscurité. And the earth is full of
darkness. Les angoisses. There are troubles. La peur, la frayeur. Fear, fright. Ont envahi l'humanité. They have invaded mankind. Là où tu es assis, where you are now, tu crains tout, tu as peur. You fear everything. You are afraid. On t'attaque. You are attacked. Les êtres humains physiques comme toi. Physical human beings like you. Je vais te faire, tu vas voir. I will do this and you see. Il y en a qui voyagent, qui effectuent des grands voyages. Some traveled far. Pour aller envoûter les gens. To go and bewitch people. Chercher les grands féticheurs, les grands magiciens. They seek fetish men and magicians. Ils veulent envoûter leur famille. And they want to bewitch their families. À cause de quoi? Why? Le cacao, le café. Cocoa and coffee. La banane. Banana or plantain. Parcelle de terre. A portion of land. On se tue. On se tue. They kill one another. Les gens envoûtent les enfants de leurs frères. People bewitch the children of their brothers. Ils se disent, s'ils sont grands, mon frère sera honoré. But they tell themselves that if these children become great, my brother will be honored. Donc quand on annonce les résultats du baccalauréat là, ils ont aussi leur manière de savoir qui a réussi. So when the results of the A-level exam is given, they also know how, who has succeeded. La plupart de ceux qui ont reçu sont déjà envoûtés même. Most of those who have succeeded are already bewitched. Et il y a l'angoisse sur la terre. And there is anguish on earth. Le Seigneur déclare. The Lord declares. Que l'obscurité, the darkness, les ténèbres, darkness, le péché, sin, les maladies, diseases, la peur, fear, ne vont pas durer à toujours dans ta vie. Will not last for long in your life. Peut-être que tu as quelques problèmes. Maybe you are going through some hardship. Sache que Dieu a déjà décidé. But you have to know that God has already decided que ce problème-là doit finir. That Dieu, these troubles, Dieu a déjà décidé. These troubles will end. God has already taken the decision. Peut-être tu ne le savais pas. Maybe you didn't know. Il a parlé depuis longtemps. He spoke ever since. Que l'obscurité qui règne sur la terre. That the darkness that reigns on earth. Les ténèbres qui règnent sur la terre. Darkness that reigns on earth. Ne sont pas éternelles. Are not everlasting. Il dit. He says. Si le temps. If the time passé, the time passed a été un temps de pleurs, had been a time of cry, de souffrance, of suffering, de honte, of shame, de probe, of shame. Il te dit, he tells you, le temps qui arrive, the coming time, c'est un temps de louange, a time of praise, c'est un temps de joie, time of joy. Tu auras la joie. You will have joy. Tu auras la joie. You'll have joy. Ça, c'est une vérité. This is the truth. Si c'est un temps, si le temps passé t'a couvert de probes, if time passed covered you with a shame, regarde le temps qui arrive. Now look at the time ahead. Tu seras restauré. You'll be restored. Quel que soit ton âge. Whatever your age. Quel que soit ton âge. No matter your age. Tu n'es pas en retard. You are not late. Tu n'as pas perdu. You haven't lost. Quel que soit ton âge, no matter your age, la bénédiction sera telle que chacun se sente heureux. The blessing will be such that each one will feel happy. Les temps à venir, the times ahead, vont te couvrir de gloire. Will cover you with glory. Tu ne vas pas regretter. You will not regret. Ça sera de telle sorte que tu oublies les souffrances. It will be in such a way that you will forget your troubles. Je ne parle pas du royaume de Dieu. I'm not talking about the kingdom of God. Je dis ce que Dieu te promet maintenant. I'm saying that which God promises you now. Si tu marches avec lui. If you walk with him. Comme il veut te le révéler. As he is revealing it here. Ce que Dieu veut faire. What God wants to do. Pendant que tu es encore vivant sur la terre. While you are still alive on earth. C'est là où vous entendez que quelqu'un est guéri. This is why you hear that somebody is healed. Ou bien il est désenfouté. Or he's unbewitched. Ou bien les gens se réjouissent en Jésus. Or people are rejoicing in Jesus. C'est des temps de louange. Times of praise. Des temps d'action de grâce. Time of thanksgiving. Pourquoi? Why? Parce que Dieu intervient. Because God intervened. Pour te racheter. To redeem you. Pour te délivrer. To deliver you. Alléluia. Praise the Lord.
Si je proclame say I proclaim que mon passé that my past time est séparé de mon futur, is separated from my future. Mon passé, my past time, avec ses malédictions, with its curses, reste derrière. Remain behind. Et mon futur, my future, avec sa joie, with its joy, ses grâces, and graces, sa paix, peace, son bonheur, happiness, sont devant moi. Are ahead of me. C'est assuré. It is assured. Si je proclame say I proclaim que mon passé that my past est séparé de mon futur, is separated from my je future. Proclame I proclaim que mon vieux passé, that my old pastime, mon pauvre passé, my poor pastime, mon passé malheureux, my my miserable ne va past pas me suivre dans mon futur. Will not follow me in my future. Il y aura une frontière radicale, there will be a separation, radical separation, entre mon passé et mon futur. Between my si je proclame que l'Éternel a déclaré that the Lord has declared que mon futur that my future est couvert de gloire, is covered with glory. C'est sûr, c'est vrai. It is sure, it is true. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Et si toi tu n'as pas encore Jésus, if you don't have Jesus yet, mon ami, my friend, pendant qu'on avance, while we are going forward, accepte-le. Là où tu as situé, well, Seigneur, moi aussi je vais. Right now, accept him. Say, oh, more, I also would like to accept you. Parce que si tu n'as pas Jésus, because if you don't have Jesus, tu ne peux pas dire que ton futur sera séparé de ton avenir. You cannot also proclaim that your future will be separated from your past. Je vais t'expliquer pourquoi. I'll tell you why. Lisons le verset 1, chapitre 9. Let us read verse 1, chapter 9. Of that chapter 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Après avoir dit que les ténèbres vont finir. After saying that the darkness will be over. Dieu dit maintenant. God now says. Dieu dit ce qui va se passer. He now reveals that which will happen. Pour que cela soit possible. For it to be possible. Pour que ce soit possible. For it to be possible. Pour que ton passé. For your past. Soit séparé. To be separated de ton futur, from your future. Écoute ce qui doit se passer. And listen to what shall happen. Pour que le bonheur, for happiness, t'embrasse dans le futur, to embrace you in the future. Écoute ce qui doit se passer. Listen to that which should happen. Lis verset 1. Read verse 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dieu dit, God says, j'envoie la lumière. I send light. C'est par là que ça commence. This is where it starts. Les gens qui étaient malheureux, people who were miserable, avaient les esprits de mort, with spirit of death, ils se promenaient avec la mort. They were going wrong with ils death. Ils sont dans les ténèbres de la mort. They are in the darkness of death. Dans les songes, la mort. In dreams, death. Les marées de nuit. And the spirit husband. Les oppressions. Oppressions. Et ils étaient malheureux. And they were miserable. Tu as les marées de nuit. You have a spirit husband. Tu vas chez le marabout. You go to the witch doctor. Il te dit tu as un mari au dedans. Il faut qu'on vous marie. He tells you that you have a husband in the spirit. We have to marry you. To marry le marabout, the te consacre à Satan. The witch doctor consecrates you to Satan. Donc, tu veux la délivrance. You want deliverance. Mais lui, il dit au mari de nuit, viens la prendre. And he tells the spirit husband, come and take her. Et il fait les fétiches. And he makes fetishes. Et tu es marié. And you are married. Il pratique. It makes practices. Tu deviens épouse, and you become the spouse démon. Of demons. C'est comme ça que of ça a demon. Se passe. This is how it happens. Tu es là, tu crois que tu es pur. You are there, you think that you are mais pure. Le vieux mari méchant, the old and wicked démon. Husband, a demon, est avec toi. Is with you. S'il n'habite pas en toi-même, if he doesn't abide in you, il te suit partout où tu vas. He follows you wherever you go. Il y en a qui ont beaucoup de femmes, donc il peut. Et quand il vient, tu le vois même venir. Some have a lot of women or wives. He's coming, you can see him coming. Quand il finit, il s'en va. When he finishes, tu le go vois back. Même comment il part. You see how he's going. Mais il y en a qui sont assis dedans. But some are sitting in it. Que c'est sa femme. That it is his wife. Dieu te dit. God tells you. La lumière. The light. Lui dans ta vie. Shines in your life. Toi qui étais assis
Donc j'étais assise ou assis malheureux, la lumière brille. You, a man or a woman who are sitting in darkness, la unfortunately, miserable, the light shines. Ça c'est encore en parabole. This is still in parable. Et les métaphores. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis. What does it mean? Read. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Alléluia. Praise the Lord. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas encore, cher ami. There's something, there's somebody you don't know yet, dear friend. Le Saint-Esprit te dit. The Holy Spirit tells you. Cette personne. That person. Rend les gens joyeux. Make people joyful. Il les multiplie. He increase the number. Mais tu ne la connais pas encore. But you don't know that person yet. Relis ça. Read it again. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux. You make the people numerous. Tu lui accordes de grandes joies. Tu lui accordes de grandes joies. You grant him great joys. Tu dois déjà deviner. You must already divine it. Et si tu es un enfant de Dieu, but if you are a child of God, tu connais déjà son nom. You already knows his name. Continue. Il se réjouit devant toi. Quand Jésus vient, when Jesus comes, c'est son nom. It is his name. Quand il vient, when he comes, il y a la joie. There's joy. Say amen. There's joy. Say amen. Comme on se réjouit à la moisson. Et la joie de Jésus. And the joy of Jesus. C'est comme quand les salaires tombent à la fin du mois. It's just like when wages come at the end of the month. Ou quand les planteurs vendent le cacao. Or when the farmers sell the cocoa et le café, and coffee, quand ça a bien produit, when it has produced et well, quand les prix sont très bons, and the prices are good, read. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car, listen, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises à la journée de Madian. Reprends. Écoutez. Check it again. Listen. Car le joug qui quand pesait Jésus sur vient, lui, when Jesus comes, le joug qui est à ton cou, the yoke that is attached, stuck et to le your bâton neck, que l'ennemi prend pour te frapper, and the stick that the enemy uses to beat you, Jésus détruit tout ça. Jesus destroy all these. Il désarme ton adversaire. He disarm your adversary. On nous a appelé un jour. They called us one day. Pour aller délivrer une jeune fille. To go and deliver a young lady. Qui criait et criait. Who was shouting and shouting. De 10h à 22h. From 10 a.m. to 10 p.m. Et on l'a amené à l'hôpital. And they took her to the hospital. Arrivé à l'hôpital, le docteur a dit à son père, cherchez les gens qui prient. Ma fille a eu quelque chose de ce genre. And when they got to the hospital, the medical doctor told his father, seek the people who pray because my daughter also got this kind of thing. Et c'est la prière qui l'a sauvée. And it is prayer that saved her. Hallelujah. Praise the Lord. Et nous sommes arrivés. And we got there. Nous avons prié. We prayed. Elle a commencé à crier, la voilà, la voilà, la and voilà. She started shouting, there she is, there she is. Je lui demande, c'est qui? I asked her, who is it? Elle dit, c'est ma grand-mère. She said, it's my grandmother. Je lui dis à son père, voilà ta mère veut tuer ta l'enfant. I told his father, you see, your mother wants to kill your child. Le Saint-Esprit m'a mis la pensée de lui poser la question. The Holy Spirit put it in my mind to ask him the question. Qu'est-ce qu'elle a? What does she have? Elle me dit, elle a un bois. She said she had a stick. Qu'est-ce qu'elle fait avec? What is she doing with it? Elle dit, elle frappe sur mon dos. She said she's beating on my back. C'est pour cette raison qu'elle criait. That's why she was shouting and shouting. Je me suis rappelé que la Bible dit que nous pouvons briser les armes. I remembered that the Bible says that we can break the weapons. Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est une arme qu'elle a. The Holy Spirit made me understand that it is a weapon that she had. J'étais avec deux frères. I was with two brethren. Je leur ai dit, I told them, brisons cette arme. Let us break that weapon. On a brisé l'arme. We broke the weapon.
Après, je lui ai demandé, tu la vois toujours? And after, I asked her, do you still see Elle her? Dit oui. She said yes. Qu'est-ce qu'elle a? What does she have? Rien. Nothing. Brisé. Broken. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Imaginez ce que ferait donc Jésus lui-même. Imagine what Jesus himself was doing. Really. Read it again. Car. For. Le joug qui pesait sur lui. Le joug qui pesait sur toi. The yoke that weighed on you. Ou qui pèse encore sur toi. Or which still weighs on you. Le bâton qui frappait son dos. Le bâton qui frappait ton dos ou qui frappe encore ton dos. The rod that was beating your back or which is still beating your back. La verge de celui qui l'opprimait. La verge de celui qui t'opprime. The stick of the one who oppresses you. Tu les brises. Tu les brises. You break them. Comme à la journée de Madian. Comme à la journée de Madian. As in a day of Midian. It's a great victory. Continue. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Il y aura un jour de jugement. Les choses ne vont pas finir comme les gens pensent là. The people will not, things will not last as we think. Il y a le jugement présent, il y a le jugement à venir. There's the day of judgment, the day of judgment in the time present, in the present time, and in the times ahead. Tous les pécheurs, all the sinners, tous ceux qui vont refuser Jésus, all those who refuse Jesus, seront jetés dans les temps ardents de feu. Will be cast into the lake of fire. Continue. Pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né. Écoutez. Listen. Le Saint-Esprit révèle au monde. The Holy Spirit reveals the world. Les fonctions. The attributions de la personne qui vient sauver le monde, of the person who is coming to save the world, de la personne qui vient avec la lumière, the person who is coming with the light. Dieu veut qu'on le connaisse. God wants us to know him. Dieu veut qu'on le découvre. God wants us to discover him. Lis. Read. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. A child is born to us. Quel est donc cet enfant? What is that child? Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. A son is given to us. Et la domination reposera sur son épaule. Et ce n'est pas n'importe quel fils, c'est un fils qui va régner. It's not any other any child. It's a qui child va that régner. That will rule over. I mean that is reign. Qui vient avec autorité. Who comes with authority. Pour dominer. To dominate. Pour exercer la domination. To exercise dominion. On l'appellera. He shall be called admirable. Admirable. Acclamé. Wonderful. Clap. Même si tu ne connais pas son nom, acclame seulement. Even if you don't know his name, just clap. Le deuxième. Conseiller. Conseiller. Acclame. Counselor. Clap. Le troisième. Dieu puissant. Dieu puissant. Acclame. Mighty God. Clap. Père éternel, acclame. Lord, Prince de la paix. Prince de la paix. Prince of peace. C'est-à-dire. That is. C'est qui? Who is that? Regardez comment vous prononcez le nom. See how you pronounce the name of Jesus. Ou bien il y a une pression démoniaque qui ne veut pas dire ça. Oh, there is a demonic pressure that doesn't want to say that. Reprends. Take it again. Car un enfant nous est né. Réveille ton voisin. Dis-lui attention. Écoute ça. Wake your neighbor up. Tell him, beware. Listen to this. Vas-y. Go on. Car un enfant nous est né. Je vous ai dit, Dieu dit que les ténèbres vont finir. Comment? I told you that God said that darkness will be over. How? Voici la manière. This is the way. Que cela va. How it will finish. How it will finish. Vas-y. Go on. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. A child is born to us. A child is given to us. A son is given to us.
Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. And dominion will rest upon his shoulders. On l'appellera. On l'appellera. He will be called. Admirable. Admirable. Wonderful. Conseiller. Conseiller. Counselor. Dieu puissant. Dieu puissant. Mighty God. Père éternel. Père éternel. Father Lord. Prince de la paix. Prince de la paix. Prince of peace. Il s'agit de Jésus-Christ. It's about Jesus. Lis Matthieu chapitre 1 verset 21. Read Matthew chapter 1 verse 21. Matthieu chapitre 1 verset 21. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. She shall give birth to a child. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. You will give him the name of Jesus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. He is the one who shall save his people. Amen. From their sin. Tu l'appelleras Jésus. You shall give his name Jesus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. He is the one who shall save his people. From his, the scene. Jésus est venu te sauver. Jesus came to save. Jésus est venu te sauver. Jesus came to save. Jésus est venu te délivrer du péché. Jesus came to deliver you from sin. La mort est venue dans le monde par le péché. Death came into the world through sin. Donc, Jésus est venu te délivrer de la racine de la mort et du mal. So Jesus came to deliver you from the root of death and evil. Il enlève la chose qui fait qu'on soit séparé de Dieu. He removes the things that cause you to be separated from God. Il te sauve du péché. He saves you from sin. Au sens propre. In the denotation. C'est-à-dire si tu volais, tu ne voles plus. Il enlève ça. If you used to steal, you no longer steal. Si tu te masturbes, il enlève ça. If you used to masturbate yourself, he removes this. Est-ce qu'il y a un ancien masturbateur là? Is there an ex-masturbator who would like to glorify the name of Jesus? It must be a lot of time per day. Yes, come. Tu es délivré. You are delivered. Viens rendre témoignage. Come and testify. Gloire à Dieu. Je me nomme, je suis le pasteur Kwame Léon. Disciple du pasteur Meyer Boniface. Avant que je ne rencontre Jésus-Christ qui m'a franchi et qui m'a délivré aujourd'hui, j'étais un masturbateur chronique. Je me masturbais toute la journée en fonction de là où je me trouvais. J'avais été orienté au lycée moderne de Grand Bassam après mon succès au CP, mon entrée en sixième et déjà en sixième, je pratiquais la masturbation. À l'école, pendant les heures creuses, je me retrouvais dans des salles qui étaient vides. Et là, je me cachais, je me masturbais. Et après, je partais reprendre le cours. Et je retournais à la maison après le cours. Dans les toilettes, je me masturbais. Après le repas, quand je me couchais la nuit, je me masturbais. Et je pouvais compter environ près de 10 fois. J'étais misérable. Et je me masturbais au point où souvent, ma partie intime avait des blessures. Mais j'étais comme condamné à continuer. Et je pratiquais cela pendant des années. Alléluia. Jusqu'à ce que, après les vacances scolaires, en fait, après l'année scolaire, je viens à Abidjan et je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Offrons d'acclamation à Jésus de Nazareth. J'avais été invité pour la première fois à une rencontre de l'église au niveau à la CMCI par l'un de mes grands frères. Et c'est là quand j'arrive. Je souligne que je fréquentais déjà les églises, mais je demeurais dans ce péché-là.
Et quand je suis venu, quand j'ai écouté l'évangile, l'une des choses qui m'a touché, on m'a dit, si Jésus entre dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Et que Jésus va enlever, va briser dans ta vie le pouvoir du péché. Il va mettre en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai fait de lui mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me suis repenti de mes péchés. Et depuis lors, Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que c'est une réalité. Jésus délivre de la masturbation. Et j'en suis un témoignage. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et il va te délivrer. And he will deliver you. De l'alcool. From alcohol. La cigarette. Cigarette. La drogue. Drug. La prostitution. Prostitution. Jésus ôte le péché. Jesus takes sins away. Tu l'appelleras Jésus. You will call him Jesus. C'est lui qui va délivrer son peuple de ses péchés. He is the one who will deliver his people from their sins. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce qu'il y a parmi nous ici? Is there in our midst here un invité? An invitee qui veut décider? Who would like to decide? Au lieu de souffrir toute sa vie sur cette terre. That instead of suffering all his life long on this earth and die et aller à l'enfer and go to hell à cause de ses péchés, because of his sins, puis il décide de changer. He decides to change. Pas qu'il vient confesser les péchés. Not that he comes to confess his sins. Et quand il va rentrer, il continue à commettre les péchés. When he goes back home, he continues to commit sins. C'est-à-dire, il est décidé. That is, he is resolved. Il dit, j'arrête. He says, I stop. Dieu va me donner la force. God will give me strength. Moi, je décide d'arrêter. Me, I decide to stop. Une femme. A woman. Qui vit de la prostitution. Who lives out of prostitution. Elle sait que si elle arrête, she knows that if she stops, elle n'aura pas de loyer, pas de nourriture. She will no more have the house rent and elle food. Elle décide. But she decides qu'elle va accepter Jésus. That she will accept Jesus. Même si elle n'a rien à manger. Even though she has nothing to eat. Qu'elle soit sauvée. Provided she's saved. Elle abandonne la prostitution. And she abandons prostitution. Une femme. A woman. Qui est exploitée dans le concubinage. Who is exploited pas in concubinage. On no marriage. Tous les jours. And no marriage. And they elle même sait qu'on la trompe. She herself knows that the man cheats on her. Mais dans la faiblesse, elle s'est résignée. But in her weakness, she has resigned. Maintenant, elle décide que même si je ne me marie pas, now she decides that even though I don't get a husband, pourvu que je sois sauvé, provided I'm saved, c'est ça qu'on appelle la repentance. This is what we call repentance. Quand Jésus enlève le péché, when Jesus removes a sin, tu ne peux pas garder ce que Jésus a enlevé. You cannot keep that which Jesus has taken away. Jésus n'aime pas le péché. Jesus doesn't like sin. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Est-ce qu'il y a quelqu'un? If there's somebody qui veut se donner à Jésus, who would like to give his life to Jesus? Cette manière-là, qu'il lève la main. That way, let him raise his hand. S'il y a quelqu'un, lève la main. Is there somebody, you raise your hand. Est-ce qu'il y a une main? Is there a hand? Oui, viens, viens. Yes, come. Viens, viens, viens. Come. Ou bien si vous êtes nombreux, venez vous tous, venez. If there are many of you, come, all of you. Venez. Come. Acclame. Venez. Lève-toi et viens. Come. Tu décides. You decide que tu veux donner ta vie à Jésus. That you will give your life to Jesus. Tu sors des angoisses. You get out of anguish, troubles. Tu dis, Jésus, prends-moi. You say, Jesus, take me.
Oui, acclamer, c'est une grande décision. Clap, it's a good decision. Est-ce qu'il y a personne ici? There's nobody here. Il dit, who says, je me donne à Jésus. I gave myself to Jesus. Si tu dois venir, if you have to come, viens maintenant, maintenant. Come right now. Lève-toi et viens. Rise up and come. Oui, ça coûte cher. Ce n'est pas le jeu. Yes, it costs a lot. It's not a joke. On t'a bien expliqué. They have explained it to you very well. Et si tu ne le fais pas, and if you don't do it, c'est ça qu'on veut, qu'on appelle il a refusé Jésus. This is what we call he has refused Jesus. Il y a des gens, si tu leur dis qu'ils ont refusé Jésus, vont discuter avec toi. There are people, if you tell them that they have refused Jesus, they will argue with you. Est-ce qu'il y a un masturbateur? Is there a masturbator? Qui veut rester assis parce qu'il ne veut pas décider d'arrêter? Who wants to remain sitting because he doesn't want to decide to stop? Homme ou femme? Man or woman? Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, lève-toi et viens, lève-toi et viens, lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. S'il y a un rétrograde, if there's a backslider, qui veut revenir, who would like to come back, qu'il se lève et qu'il vienne. Let him stand up and come. Oui, acclamez, acclamez. Yes, clap, clap. Tu l'appelleras Jésus. You will call him Jesus. C'est lui qui va délivrer son peuple de ses péchés. He's the one who will deliver his people from them. Tu l'appelleras Jésus. You will call him Jesus. C'est lui qui va délivrer les hommes de leurs péchés. He is the one who delivers men from their sins. Lève-toi. Stand up. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Lève-toi. Stand up. Donne ta vie à Jésus. And give your life to Jesus. Si tu es un enfant de Dieu, lève la main. If you are a child of God, raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous arrachons des mains de Satan. We snatch you from the hands of Satan. Tout pécheur, every sinner, qui veut rester loin de Jésus, who wants to remain far from Jesus, au nom de Jésus, say in the name of Jesus, nous arrachons des mains de Satan, we snatch from the hands of Satan. Tout pécheur, every sinner, qui veut rester avec le diable, who like to remain with the devil, et nous le transférons dans le royaume de Dieu, and we transfer him in the kingdom of God. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il y a des gens qui ont été délivrés par cette prière. There are people who have been delivered by this prayer. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. J'ai le témoignage dans mon esprit que quelqu'un a été délivré de par cette prière. I have the testimony in my mind that somebody has been delivered by this prayer. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu es un enfant de Dieu, lève la main. If you are a child of God, raise your hand. Nous brisons le joug du péché. Say, we break the yoke of sin. Nous arrachons tout âme. We snatch every soul. Qui se dit en elle-même, je ne veux pas me lever. Who tells himself that I, who tells himself inside himself that I don't want to stand up? Qui veut rester collé à la chaise? Who wants to remain stuck to the chair? Nous le détachons de la chaise. We untie him au from nom the chair. De Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Cette prière a libéré quelqu'un
qui n'avait même pas la volonté de se lever. This prayer has released somebody who didn't even want to stand up. Maintenant, elle est prête. Now she's ready. Lève-toi, tu veux. Stand up and come. Ce n'est pas fini. It is not over. Il y a quelqu'un qui est en train de calculer ce que ça coûte. There's somebody who is calculating what it cost. Il ne savait pas. He didn't know. Qu'on va lui demander d'abandonner la masturbation, d'abandonner l'alcool. Il ne savait pas. That he will be asked to abandon masturbation, alcohol. He didn't know. Il est en train de calculer, de calculer, de calculer. He's now calculating and calculating. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu seras béni. You will be delivered. Quelqu'un est en train de dire de regarder sa religion. Somebody is considering his religion. Il se dit, comment est-ce que je dois quitter? He tells himself, how am I going to leave? Moi, je suis venu seulement prier pour rentrer. Me, I only came to pray and go back. Mais c'est Dieu qui t'appelle. But it's God calling you. C'est Dieu qui t'appelle. It's God calling you. Tu dois obéir. You must obey. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais Dieu t'appelle. But God is calling you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Le Seigneur dit à quelqu'un, abandonne ton orgueil, lève-toi et viens. The Lord tells somebody, abandon your pride, stand up and come. Abandonne ton orgueil, lève-toi et viens. Abandon your pride, rise up and come. Abandonne ton orgueil, lève-toi et viens. Abandon your pride, rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Il y a encore quelqu'un qui doit venir. There's still somebody who should come. Viens vite maintenant. Come quickly now. Acclamez. Clap. C'est bien, mais la personne n'est pas un enfant. Il y a quelqu'un qui doit venir. There's somebody who should come. Satan, va-t'en vite. Satan, depart quickly. Tu n'as aucune âme ici. You do not have any soul here. Jésus a dit dans sa parole. Jesus said in his word. Quand j'aurai été élevé, when I am lifted up, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. I will draw all men to me. C'est Jésus qui appelle les hommes. It's Jesus who calls men. Satan. Satan. Retire-toi vite. Get away in Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Il reste 5 minutes. We still have 5 minutes more left. Lis Osée 13, verset 9. Read Osée 13, verse 9. Osée chapitre 13, le verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Hosea chapter 13, verse 9.
You are destroyed, Israel, because you are against me, against your helper. Amen. Tu as des problèmes, c'est vrai. You have troubles, it's true. Peut-être que tu es malade. Maybe you are sick. Mais Dieu dit, God says, si tu as des problèmes demain, if you have problems tomorrow, ça ne sera pas à cause de ta maladie. It will not be because of your sickness. Si tu meurs demain, if you die tomorrow, précocement, untimely, c'est parce que tu m'auras rejeté, moi qui devais te sauver. It's just because you would have rejected me who could save you. Quand on rejette Jésus, when you reject Jesus, on perd toutes les promesses de Dieu. You lose all the promises of God. Je sais que tu es venu prier. I know you have come here to pray. Mais tu vis dans le péché, tu le sais. You live in sin and you know it. Peut-être que tu pries quelque part. Maybe you pray somewhere else. Ton pasteur ne connaît même pas ta vie. Tu caches tout, tu vis dans le péché. Your pastor doesn't even know your life. You live in sin and you hide everything. Et tu viens t'asseoir tranquillement. And you come to sit here. Tu dis, on va combattre. And you say, we are going to struggle. Dieu te dit, God tells you, tu m'as rejeté. You have rejected me. Je ne peux pas combattre pour toi. I cannot struggle, fight for you. Ce qui cause ta ruine, you are destroyed. Tu es contre celui qui peut te secourir. Because you are against the one who could help you. Si tu es sage, if you are wise, pour ne pas perdre ton temps et ta vie, lève-toi. Not to lose your time, rise up. Si quelque chose t'arrive demain, if something happens to you tomorrow, c'est parce que tu auras refusé Jésus. It's because you would have refused Jesus. Qui est venu pour te délivrer. Who came to deliver you. Si quelque chose t'arrive demain, if something befalls you tomorrow, c'est que ton cœur est mauvais. It's just because your heart is evil. Tu veux la bénédiction. You want blessing. Et tu rejettes la personne qui bénit. And you reject the person that blesses. Tu veux rester dans le péché. You want to remain in sin. Tu veux rester dans ton péché. You want to remain in your sin. Et transporter les bénédictions de Jésus. And transport the blessings of Jesus. Jésus te dit, Jesus tells you, je ne veux pas te bénir. I will not bless you. Tu ne m'aimes pas. You don't love me. Je ne veux pas te bénir. I will not bless you. Relis à haute voix. Read it again loudly. Ce qui cause ta ruine. Ce qui cause ta ruine, Israël. C'est que tu as été contre moi. Tu es contre Dieu. You are against God. C'est de là que va venir ta ruine. This is where your destruction originates. Si c'est la maladie, if it is sickness, Jésus peut te délivrer. Jesus can deliver you. Si c'est ta maladie, if it is disease, Jésus peut te guérir. Jesus can heal you. Mais ta ruine, but your destruction, viendra. Will originate parce que tu as rejeté Jésus. From your rejection of Jesus. Tu aimes le monde. You love the world. Tu aimes la corruption. You love corruption. Tu aimes les querelles. You love quarrels. Tu aimes les divisions. You love divisions. Tu aimes la religion. You love religion. Mais tu n'aimes pas le Fils de Dieu. But you don't love the Son of God. Tu peux aller à toutes les messes, à tous les cultes. You can attend all the masses, all the church services. Tu restes dans ton péché. But you remain in your sin. Même quand on te parle, even when we speak to you, tu n'écoutes pas. You don't give a hearing. Lève-toi et viens. Rise up and come. On va commencer la prière maintenant. We are going to start the prayer now. Si on commence, si on finit, tu as perdu. If you start and finish, you have lost. Si tu veux venir, viens maintenant. If maintenant, you want to come, come right now. Si tu pries quelque part, if you pray somewhere else, dans une dénomination, in a denomination, et le Saint-Esprit vient de te dire, and the Holy Spirit has just told you, qu'il faut que tu sois membre de la CMCI, that you should become a member of CMFI. Lève ta main. Raise your hand.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur demande de venir adorer avec nous? C'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui lui dit. Il entend la voix de Dieu. Is there somebody to whom God asked you to come to attend? I mean, to worship with us. It's not a man speaking to you, but you hear the voice of God. Il n'est pas seul. Dieu dit la même chose à quelqu'un d'autre. C'est qui? He's not alone. God is saying the same thing to someone else. Il sait que He knows that il doit prier avec nous. He must pray with us. Il a reçu ça. Ce n'est pas un homme qui lui a dit. He has received it. This is not. It's not somebody who told him. Si c'est toi, lève la main rapidement. If you are the one, raise your hand. Des pareilles personnes ne se font même pas prier. Ils savent, ils savent. Such people already know. They are aware of it. Venez vite, vite, vite. Come speedily. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Levez vos mains. Raise your hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je veux faire ta volonté. I want to do your will. Je veux faire ta volonté. I want to do your will. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je veux faire ta volonté. I want to do your will. Je ne veux pas faire ce que je veux. I don't want to do what I want. Je ne veux pas faire ce que les hommes veulent. I don't want to do what men want. Je veux faire ce que tu veux. I want to do what you want. J'ai décidé ce soir. I've decided this afternoon. De faire ce que tu veux. To do what you want. Je me donne à toi. I give myself to you. Je te supplie. I beg you. De me pardonner. To forgive me. Je sais que j'ai beaucoup péché. I know that I have sinned a lot. En parole. In word. Pensée, in thought. Et en action. And in deeds. Pardonne-moi. Forgive me. Accepte-moi. Accept me. Dis Seigneur. Say Lord. J'ai des problèmes. I have troubles. Il y a des maladies. There are diseases. Il y a des blocages. There are blockages. Viens mon secours. Come and help me. Viens mon secours. Come and help me. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Seigneur, guéris toutes les maladies qui sont dans ce corps. Say. Dis Seigneur. Say Lord. Guéris toute maladie. Heal any disease. Qui se trouve en moi. That is that can oh, be found. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Guéris-moi. Guéris-moi. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Amen. Amen.